littérature et compagnie. Chanter des télé-hommes auxquels tu ne crois guère. Rencontre poétique, rencontre musicale. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour le croiser sous sac passé, sous l'idée cap glacé. Soti inédit, rivé 3h, lundi al pou vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour votre écoute nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org avec diverses plateformes internet. Frottez l'idée, je nous connais, c'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion. C'est un forum tout l'ouvri qui fait en direct, nous l'en studio, nous l'en téléphone, nous sous divers réseaux sociaux, lieu tant que WhatsApp, Facebook et Twitter. Frottez l'idée, une émission donc pour nous parler, parole pas nous, je nous dis, frottez l'idée, faite sous tout sujet politique, économique, social, culturel, technologique, qui intéresse citoyens et citoyennes. Frottez l'idée. Tous les jours, sorti 1h15, rivé 3h de l'après-midi, et puis 8h15, rivé 10h du soir, pour interaction avec nous, c'est 28 15 73 85, téléphone WhatsApp, c'est 48 72 79 13, et puis courrier électronique, nous, c'est alterradio@medialternative.org. Je dis, c'est une émission un peu spéciale et n'a pas salué non seulement Charilien, Jeanville qui est avec nous tous les jours et puis Ronald Colbert qui l'a tout. Bonsoir Godson, bonsoir Charilien. Bonsoir, nous bien content de venir dans l'émission Frottez l'idée jeudi qui c'est un numéro spécial. Alors Charilien, ça vient jeudi. Bonsoir Godson et bonsoir Ronald et bonsoir Mackenzie. Jeudi a bon donc à tout jeudi déjà côté nous chargé comme d'habitude et nous et pour le fond émission spéciale et sous revendication sociale femme et puis élection. Donc nous connaissons une situation est difficile que pays a fait face crise sociopolitique et sécuritaire, mais ça pas empêché pour nous parler de affaires élection. N'a bien pour nous recevoir et Mergina Fleuriman, coordonnatrice générale Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA, qui va parler sous revendication et préoccupation mesdames yo dans campagne électorale. N'a bien tout pour nous parler avec sociologue Daniel Magloire, cofondatrice de CAIFAM, qui va aborder plusieurs aspects en co-transparence sa crédibilité dans l'élection et Jean violence et empêcher mesdames yo participer dans le processus électoral. Là nous t'a supposé parler toi avec agent exécutif intérimaire commune Cap Haïtien magistrat Yves Rosepierre et pour nous allouer attention que le poté a problème mesdames yo et non et exercice pouvoir. Et ça, c'est pour un peu plus tard. Non, Frottez l'idée sur Alter Radio. Frottez l'idée. Bon, Christé, saut. Qu'on s'approuve près du corps. Par côté de l'empathie, pour que l'on a guignoué. Bon, Christé, saut. Qu'on s'approuve près du corps. S'il mange, je les vois, s'il n'asse pas, les m'en payer. Les m'en payer, c'est qu'on y aurait à quoi, à Dieu, les m'en payer, c'est qu'on y aurait à quoi. Frottez l'idée sous Alter Radio 106.1 FM. On peut suivre nous tous sur internet là et Facebook et YouTube. Et nous avons beaucoup de chapeaux pour tout le monde qui peut suivre nous sous réseau yo. Frottez l'idée, c'est côté nous parler paroles pas nous, nous parler paroles peuple là. Je dis à nous dans une situation qui est extrêmement difficile. Côté insécurité a fait en pile monde et quitter la caillou en pile victime, femme ou garçon. Ça pas empêcher
nous et instances internationales yo organismes de défense et droits humains yo a mandé pour gouvernement tout mettre des mécanismes en place pour arriver dans organisation prochaine élection yo ça qui semblait difficile mais émission jodial pour gagner un aspect particulier sous et revendication femmes dans campagne électorale et Godson et pral dit non plus sous ça alors justement et ça c'est youn nan on série que n'a fait en dans faute l'idée c'est tous les jours mais chaque semaine nous pral réserver une ou bien deux émissions pour parler spécifiquement de questions élections mais nous pas parler justement de élections comme ça n'a parlé en lien avec une série de thèmes bien précis et là par exemple émission que n'a fait il y a insisté sur des sujets de fond qui concernaient processus électoral là mais qui gain rapport avec divers secteurs qui dans pays par exemple je dis à Jean-Charilien Abdil n'a prêté sous rapport Famio avec élection et c'est une dans cinq émissions comme ça que nous pral fait en rapport avec divers secteurs. J'en nous dis, par exemple, je dis, hein, c'est revendication sociale FAMIO avec élection. Même gens après, nous pourrons regarder revendication sociale jeunio avec élection. Et puis devant, nous avons sous revendication sociale ouvrier, travailleur, secteur informel hein, avec élection. Nous avons passé dans revendication moun kap vive avec handicap dans pays a avec élection et puis nous pral gen deux l'autre thème plutôt trois l'autre thème qui pour permettre nous aspect pilage voilà exactement ou gen participation électorale et légitimité des élus nous voyons que tout temps question ça son question qu'a posé est-ce que élu légitime élection bien faite etc. Mais gen deux fois tout temps des est-ce que tu as gagné assez de participation électorale, même si la Constitution n'a pas traité question ça directement, mais deux fois, l'analyse, il y a des gens qui estiment que mais, comment avec une participation faible comme ça, un monde qui est élu capable de gagner légitimité. Donc, c'est des questions que nous pourrons débattre. Nous pourrons regarder tout dans une émission, responsabilité de l'État, responsabilité des institutions, tant que le conseil électoral, là, responsabilité parti politique, yo, responsabilité société civile là, en général, pour permettre que gagner des candidats qui sont des candidats qui corrects dans l'élection. Parce que gon problème que moun yo qu'on a posé comme si on moun vin candidat li élu mais candidat ça y aurait son moun qui gon passé côté le cas des problèmes de moralité yo qu'on voit tout son moun qui est pas gain bonne presse la communauté et problème compétence là tout parfois qu'on posé voilà donc comment nous qu'arriver dans valider des candidats qui c'est des candidats corrects qui fait poids qui correspondent effectivement à ça moun yo aptan à ça ou souhaité et à travail qui est pour faire là tout ça c'est un autre aspect et puis dernière émission n'a vini sous rôle et responsabilité des acteurs conseil électoral parti politique candidat gouvernement la police la société civile les médias pour capable gagner un espace pacifié dans moment que élection a organisé comment nous capable river et neutraliser violence qui fait le moment élection en Haïti et généralement mesdames et plus victimes et le gain violence et ça dissuade en pile dans yo que ce soit pour y faire des voix citoyens yo ou bien pour eux t'a présenté eux à des postes électifs. Et nous voyons que même jeunes en général tout pose problème ça, ils dit que non espace laisser frapper comme ça, comment ils sont capables arriver faire valoir droit eux pour candidat ou bien pour élu monde que ils souhaitaient. Bien que en général espace électoral pas jamais un espace petit. Exactement, ils ont parlé de compétition électorale, ils ont parlé de
affrontement dans les urnes, c'est bien ça. Si c'est donc, pas compétition, affrontement, c'est pas voilà. Coup de poing, c'est pas coup de poing, c'est pas violence. Non, regardez ça qui a passé aux États-Unis, c'est pas le meilleur exemple, certainement. Dernier sorti de Joe Biden. Donc, espace électoral là, c'est pas un espace jouette que lié. Mais cependant, en même temps, il y a des mesures qui prend, même genre dans divers autres pays, divers sociétés, il y a des mesures qui prend pour que et pas gagner trop arbitraire, violence, qui fait. Donc, il y a des dispositions qui prend depuis avant pour ça. Donc, voilà, c'est un problème que nous avons pour nous poser. Ceci dit, nous avons donc un programme qui est assez large et qui adressait un pile aspect qui concernait les questions électorales là. Et donc, je dis, pour commencer, nous avons chita sous revendication sociale FAMIO avec élection. Et c'est là tout que dans l'émission SAO, en général, on a toujours eu Ronald avec nous, qui a porté coup de main, qui a pas accompagné. Et avec ou même tout, Jeanville, et nous très contents pour ça. Et on a précisé juste avant que nous quittions place là, par l'autre collaborateur, nous, collaboratrice tout, que l'émissaire Sali, même spécial élection, hein, nous a fait ensemble avec soutien Internews, qui c'est un organisme international qui appuie travail média. Donc voilà, à tout à l'heure, m'a bien pour m'outouner, probablement l'ami courant, et puis nous pourrons recevoir invité nous. Je suis bien content pour m'avec nous. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit, rivé 3h, lédi al pou vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous cap côté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous et attention nous. Bienvenie. Mais quelques principales informations, n'a pas qu'un pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. À partir dimanche 3 novembre 2024, là, Léa nan pays d'Haïti a fait bac une heure de temps. C'est ça, conseil président pour transition. Fait qu'on est en note qui pote date 28 octobre 2024, là. Mercredi 30 octobre 2024, la gang exam vivant ensemble, yo kidnappé 5 moun nan yon lot attaque, yo fait encore sous quartier Solino Port-au-Prince. Jeudi matin 31 octobre 2024 là, yon bon parti sous route Nazon a été bloqué à barricade, machine transport public tap cherché passer l'autre côté nan éviter route Nazon. 40 organisations nan pays d'Haïti ak nan diaspora organisé yon journée day national jeudi 31 octobre 2024 là pour songer victimes toute massacre gang exam yo fait sous territoire national là tankou massacre jeudi 3 octobre 2024 là nan Ponsonde département la Tibonite nan Ponsonde gang exam gang rive sa bien yoté assassiné plus passé 115 timoun femme ak garçon. Mercredi 30 octobre 2024 la gang exam gang rive sa bien yo kidnappé plus passé 10 moun et puis volot encore plusieurs dizaines cabrit cochon ak bœuf nan marchand de saline ak nan ti rivière la Tibonite d'après information qui vient journal Alter Presse ak Alter Radio. Nan séance mercredi 30 octobre 2024 la parlementaire pays Salvador yo voté en faveur yon disposition qui bay autorisation pour militaire pays Amérique Latine sa vin déplotonné en dedans force multinationale nan pays d'Haïti. Nan lettre bay conseil président pour transition yon groupe organisation qui ande dans mouvement Montana exige mette sous côté trois membres capité yo Smith Augustin, Emmanuel Vertiller ak Louis Gérald Gilles. Unité lutte contre corruption mandé la justice ka poursuivre pour corruption nan Banque Nationale Crédit à BNC. Rete connecté sur alterradio.sayo ak divers lot pral fè essentiel édition 24h. 24h, journal Alter Radio. Li soti a 6h di soir, li passe tout à 10h di soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports.
Alter Sport. Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre dans la qualité sportive là sur le plan national, football après le Paris Saint-Germain. Loujina Etienne, attaquante sélection U17, là de retour en France pour un stage à l'Olympique Lyonnais. Futsal, coup d'envoi de la 8e édition de la Coupe de la Ligue de Port-au-Prince. Vendredi 8 novembre au gymnasium Haïti Chéri à Delma 75. Basketball, tournoi Super 8 U20 au gymnasium du Champ de Mars au Cap Haïtien. Ce samedi, Blue Star Power Warriors, Limbé Union Sportive Capoise. Tennis de table, 11e édition du tournoi Haïti Open ce week-end à l'hôtel Royal Oasis. À l'étranger, tennis, Masters féminin du 2 au 9 novembre à Riyad. Du lot pour Iga Swiatek avec les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula. Basketball NBA, audience TV en baisse par rapport à la saison passée. Football, championnat d'Espagne, 12e journée. Valence Real Madrid, Villarreal Rayo Vallecano reporté. FC Barcelone, Espagnol Barcelone, dimanche matin à 10h15. Championnat d'Angleterre, 10e journée. Manchester United, Chelsea, dimanche matin à 11h30. Championnat d'Italie, 11e journée. Choc des leaders entre Naples et Atalanta, dimanche matin à 6h30. Et puis championnat de France, 10e journée. Paris Saint-Germain-Lens ce samedi à midi. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessée ak maladie yo. Quel que soit côté yo sorti, nan tan calme ou soit nan tan violence. Amwe, gen moun ki pran balle la ou y'a ben pisan. Y'a mouri ou si ok, moun pa pote au segou. Ou te bloqué, y'a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo, à nous respecter blessé yo. Quittez au passé avec tout personnel santé yo. À nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, à nous aider secourir ce jeune blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo à dignité yo. Si on devoir pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouris, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital sans santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon yo pap ka aide si la ou ki plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo la pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pa ou, ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Année l'école 2024-2025 là a commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale et formation professionnelle. Chance à qu'on habite fait, gain plusieurs mesures ministère a déjà prend pour accompagner maman et papa petit dans occasion ouverture l'école. Comme ça, toute l'école dans pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon gens disposition dans tête collée avec professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer un jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui pral permettre élèves yo travaille plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petit, parents qui responsable timoun yo, on prépare depuis kounye ya pour voyer timoun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation c'est plus gros outil pour développement timoun yo ak développement pays ya. Genyo ak famyo, nou pi plis nan peyi ya. Men konbyen nan nou kap jere zafè politik? Konbyen nan nou violans anpeche patisipe nan eleksyon? Matin elektoral Ayiti a fèt pou sispann bay kek ase. Genyo ak famyo mande transparans nan eleksyon.
nous-mêmes jeunes, nous en bataille contre l'exclusion dans affaires politiques. Il est le temps pour violence sous génio et famille kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Génio et famille voulons participer dans la direction politique pays à un niveau national ou local. Génio et famille campé jam dans bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Un message génio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal CISV et Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à Xi pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation de la paix PBF. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit rivé 3h lundi al pou vendredi sous Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio.org. Frottez l'idée dans téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook et tout l'autre réseau social. Yo, yon rendez-vous pour nous parler parole ba nou. Eh bien oui, c'est Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org et diverses plateformes internet. Avec nous jeudi, nous plus que deux, Ronald là avec nous pour émission ça qui c'est une émission spéciale côté n'a pas abordé question femme et élection. Il est vrai que élection c'est pas demain d'ailleurs, nous pas même connaît si y a réussi respecter et délai que prévoit pour faire en fin d'année 2025 non, mais un jour ou bien un autre, il faudra que gain élection dans le pays d'Haïti et yo dit que Orange Cabanon avant dormir en Géo. C'est un peu ça que n'a fait là pendant que Jean nous dit objectif émission ça c'est ouais comment nous ca ramasser divers problèmes sectoriels et puis problèmes sectoriels ça demande sectorielle ça pour tourner programme électoral. C'est l'un des manches ça que je dis par exemple dans Pita sous question femme. Et d'ailleurs, nous pral recevoir un leader femme, Mergina Fleurima, c'est coordonnatrice SOFA. SOFA qui penchait sous question de participation politique femme. Nan, yote fait publier par un trop longtemps un clip vidéo sous ça. N'a pas coûté extrait dans ça, vous avez dit là-dedans. Participation femme dans l'espace côté décision à prendre, tourne yon dans le choix de bataille organisation. Pour qui ça, choix de bataille ça? C'est pour combler déficit démocratie pour femme yon jouer une place dans l'espace pouvoir politique. C'est pour transformer institution publique qui en bas domination monsieur. C'est tout pour rendre espace côté à prendre décision plus inclusif pour tout le monde la donne. Formation politique femme pour valoriser participation et présence femme dans la politique pour bon genre démocratie donnée. Choix de bataille ça, sauf à mettre le sous-pied pour arriver dans l'équilibre entre femmes et garçons dans la société, pour mettre la question de femmes dans l'agenda politique et puis bâiller l'image publique de femmes aux valeurs. Formation, c'est une dans l'action sauf à entreprendre pour arriver à atteindre l'objectif ça. Quelle bonne idée qui paraît dans la formation sauf à fait. Sans participation famille, pouvoir politique là débalancé. Sans participation famille, pouvoir politique là débalancé. C'est justement sous ça n'a pas parlé et sous question participation femme dans affaire élection nous pas le recevoir tout de suite là yon invité qui c'est coordonnatrice générale solidarité femme haïtienne SOFA. Oui, c'est Mergina Fleurima n'a pas abordé avec lui principale préoccupation à que revendication femme yo pendant campagne électorale. Bonsoir Mergina, bienvenue sur Alter Radio.
Bonsoir, M. Godson. Bonsoir, Alter Press. Et je n'ai pas dit bonsoir à tout auditeur, auditrice, qui a écouté l'émission après-midi. Et sous table, nous avons Ronald Tour avec Charles et Jean-Ville. Allô, Madame Mergina, ou là? Oui, moi là, oui. Oui, dis-nous, principale préoccupation à la revendication femme pendant un moment élection. Yo. Bon, et nous disons vous merci parce que vous avez invité nous après-midi pour nous capables participer dans l'émission ça et spécialement pour nous capables porter revendication nous-mêmes étant que femmes pour prochaine candidate qui pourra le poser candidat dans la prochaine élection qui pourra le venir. Et là, comment c'est comme ça, c'est tout dans, poste, et dans la New York. Nous disons, dans le programme candidat pour l'année, nous-mêmes, dans SOFA, nous avons questionné et puis mené action pour diverses revendications nous avons entré dans le programme de mairie. Revendication qui rentre dans quatre compétences collectivités territoriales. Nous voulons parler premièrement et de unité sur santé sexuelle et reproductive dans le centre de santé communautaire. Avec bonjour maternité dans l'hôpital yo, pour femmes capables de contrôler le pouvoir sexuel, pour femmes accoucher dans bonnes conditions, pour jeunes yo gagner yo comportement sexuel qui est responsable pour finir avec grossesse précoce et puis éviter toute qualité maladie yo capable prendre dans ce sexe. Raison c'est parce que nous connaissons dans le pays là des rôles les joueurs mais qui par exemple visent à atteindre un objectif vrai parce que depuis au finalisé dans le pouvoir et puis par contre rien qu'à passer dans ma tête là tout le monde est mauvais ça va regarder et cause de santé par regarder nous voulons du tout mais il y a des obligations pour établir un système de protection de la femme direction à ses sociales mairie. Et pour les femmes qui sont victimes de violences, pour les jeunes au service, et puis pour entendre et puis orienter dans le service de mairie de façon particulièrement pour les femmes qui sont vulnérables, qu'on ait un espace ça l'ouvrir dans la mairie pour être capable. Pour les gens qui ont un problème, pour qu'on ait, il y a besoin de service dans la mairie. Parce que les gens regardent à travers le pays, nous avons un ministère de l'Affaires sociales qui est seulement chita dans Port-au-Prince, mais les zones qui équilibrent, je ne vais pas entendre, est-ce que des services à vrai qui sont disponibles dans la zone. Madame Fleurima, tout service à Wabdia, comment un candidat à la mairie qui a développé proposition sur yo? Qui qualité proposition que le a gagné dans le programme ni? Bon, proposition capable de gagner dans le programme, c'est qu'il y a fait connexion entre réunis ensemble avec des responsables. Parce que mairie lui-même, c'est lui-même qui prenne personne dans la ville là, c'est lui-même qui pour regarder et puis visager tout problème qui résout pour société dans la commune. Ça veut dire que c'est vite ça, c'est lui qui doit chercher relation pour joindre pour le mettre directement dans mairie pour que les population besoin service ça pour capable joindre. Cela veut dire que nous t'aimer entendez un candidat qui a dit moi-même mais Jean m'veut organiser mairie m'veut mettre tel service là dedans tel service là dedans nous parler de service culture etc mais service tout qui concernait problème famille c'est ça on veut dire. Oui, non seulement problème famille, parce que tout service qui concerne les problèmes familiaux, il concerne les problèmes masse là en général, parce que les femmes dans lui-même, ils ont côté, pour la côté, on peut être, ils ont un problème. Eh bien, c'est même dans tout, dans la société à masse peuple là, qui vulnérable, qui défavorisé, les gens, la personne service à la mairie pour accompagner. Et pour section communale, yo, Mergina Fleurima, je connais ou même ou son femme qui sorti dans Saint-Michel-Latalaï, département de la Tibonite, comment ouais revendication ça yo, candidat yo capable pote yo?
Ah ben dans section communale, yo, c'est toujours même bagaille parce que journée aujourd'hui a c'est même ça qui a passé au niveau commune, c'est au même tout qui passé au niveau section communale. Par exemple, un bon exemple, il y a une section communale qui gagne 54 localités. Et puis, il y a une section salariée, une seule école nationale. Et puis, Josiane, nous disons que nous avons une alphabétisation qui est très haut, côté que, plus précisément, c'est Famio qui parle qui parle d'écrit. Mais Josiane, ouais, il y a une section communale qui gagne 54 localités, qui gagne une seule école nationale là-dedans. Et puis, qu'on y a là, il y a des timons, non, ça dépend dans la zone du RTA, et puis la marche n'est pas deux à trois temps pour arriver à l'école, ça. Ça pas possible. Dans cette ligne de secteur, nous y a, ça pas possible. Ça veut dire, je ne dis pas, si un timon, par exemple, qui gagne 4-5 ans, est-ce que par an, quand la gueule a marché pendant une heure de temps, deux heures de temps, avant d'arriver à l'école, ça veut dire, les nous, dans nos bases dans l'espace d'éducation, surtout dans le secteur communal, ça veut dire nous voyons comment le problème n'a pas. Et c'est même dans tout, là nous parlons de questions de santé à tout. Il y a un secteur communal qui est en centre de santé qui ne peut pas répondre à un homme normal pour que les femmes nous disent un service, mais tout le monde dise un service aux jeunes. Et puis je ne veux dire à cause d'infrastructures, par exemple, il y a des gens qui font un accident et puis ils ne peuvent pas avoir un service d'infection. Lui obligé de prendre une motocyclette ou bien de mettre le son en cabane qui a marché 3-4 près de temps avant d'arriver dans la commune. Et puis, là, il arrive dans la commune, dans tout, ça, problème, il y a besoin de résoudre, il n'y a pas à résoudre. Bon, après, c'est refaire, en l'autre côté. Et au plus haut niveau, tout bon côté et parlement, député, sénateur, nous connaissons une série d'enjeux qui est importante, en cours et avortement, harcèlement sexuel, et gain tout maman qui l'a guédé brabalak timoun. Est-ce que pas une nécessité pour gain loi sur tout bagay ça? Oui, et bien c'est ça. Ça veut dire tout parlement, nous voter, sénateur, député, c'est rôle, c'est droit, puis nous voter. Et loi qui est en faveur de famille. Non seulement en faveur de famille, nous disons, bon, en faveur de tout le monde. Parce que je dis, ça qui est grave pour nous, c'est parce que toute loi nous gagne, toute convention qui est signée, mais convention ça, nous-mêmes, nous n'avons pas jamais visé dans la réalité du monde en dedans de l'IA, parce que pour voir nous gagner qui est en place, nous n'avons pas jamais respecté la loi, ça veut dire, nous n'avons pas jamais fait, ça veut dire, les gens n'ont pas de problème, les lois de la justice, et puis on prend loi, on fait un petit roi, et puis loi ça au pas exercer en justice. Et tandis que loi ou là, si loi ou là, m'a raison, et comme si, et par exemple, moi victime, moi j'ai mal cherché, c'est dans le tribunal là, et puis j'ai un avocat qui connaît loi, et vous lui accompagnez, et moi qui victime, non, on n'a pas joué une solution. Ça veut dire ça, yo, c'est des bagailles pour que le rôle parlementaire, depuis qu'on vote une bonne loi, pour qu'il conduise les femmes, l'égalité des femmes à garçons, pour qu'ils soient capables de possibilités, ou un docteur, tout, les autres problèmes, ça, yo, pour que non seulement un docteur, mais puis on joue une justice qu'ils méritent. Oui. Alors, pour nous plus clair et pour nous avancer, puis font toujours l'échange que nous avons fait, Madame Fleurima, d'aimer que ou dit nous qui parole qui concerne femme que ou même ou t'as souhaité tendre l'embouche un candidat à quel que soit niveau que lié, c'est-à-dire que garçon. Ce soit oui femme pour garçon ou bien au niveau section communale pour vin kazek ou bien au niveau pour vin magistrat ou bien au niveau pour vin député ou bien même président de la République. Qui parole pour porter ba nous pour nous sentir que élection ça sont élections qui concernent nous qui capable aider changer bagaille dans la vie nous. Bon, c'est ça, c'est presque c'est même ça me dit là yo. Par exemple, un candidat qui rise dans poste dans campagne yo, ça veut dire nous même faut nous est-ce que parole y a yo en faveur femme yo. Ça veut dire, je dis, et nous capables de dire, nous, par exemple, nous avons pile femmes qui travaillent en pile dans ce secteur informel là, et puis,
par exemple, nous gagnons, nous avons un travail en pile, nous ne pouvons pas arriver à un petit bout. Dans l'ODA, nous avons Fatma, et puis, je dis, qui gros problème, femme, nous gagnons sur question de vulnérabilité, c'est parce que nous avons même l'aile malade, il n'y a pas de côté pour la prendre un soin gratuit. Ça veut dire, si tu gagnes, il y a l'État, un gouvernement qui te prend résolution ça en charge, ça veut dire dans le programme candidat, tu as dit que tu as un accompagnement même pour la femme, par exemple, madame Sarah, femme qui travaille la caille, et femme qui a bonne dans le marché, et bien pour le prendre en charge pour que dans le programme moyen, pour me dire, je vais voir comment je vais accompagner mesdames Sarah Jonathan. Parce que, par exemple, aujourd'hui, nous avons madame Sarah, nous avons ma chaîne, côté que Jean-Pierre a bloqué là, pas de aucune route qui ouvre pour eux, et puis pendant l'école ouvre, ou a cour monter, cour descendre, je ne vais pas faire rien sur les petits de l'école. Mais par exemple, si vous avez gagné, il y a un gouvernement qui te prend carré, qui te met sur son assurance, eh bien, vous êtes arrivé, jouer yon crédit nan ou na ou bien nan ou Fatma, et bien l'État a un taux qui va dire à 1%, même ou bien à 0,7%, et puis mon tali même, il tape 20 moyens pour il était petit de l'école. Mais ça dit nous-mêmes, et. Oui, madame Mejina, mais. Gen question tout participation femme yon dans l'élection, engagement yon dans politique. Oui, tout ça là, parce que premièrement, faut former les jeunes patients, puis même tout, puis cap poser candidat, et c'est là pour se l'arriver dans l'une côté arriver, vraiment, c'est au même tout, peut-être qu'il pourra aider nous changer la situation à vivre là, mais c'est pas n'importe qui forme, faut former une femme qui féminine, parce que je dis à qui forme n'a pas féminine, il va prendre douleur l'autre femme, il va prendre douleur femme à passer. Mais je dis à nous-mêmes, tout étant que femmes, il faut nous ouvrir les genoux pour nous garder qui femme vraie, quel que soit notre discours politique qu'il y a, même si le discours politique qu'il y a, c'est un bel discours, il y a un phase, mais pourtant, à la longue, il ne doit pas au bénéfice. Et pour nous finir, un dernier petit réaction d'Arménan Méon. Sur le fait que bon gon conseil électoral qui montait il y a 7 membres là dedans il y a même 2 secteurs pas représentés il y en a dans ces femmes ça dit sous ça bon problème qui gagne nous connaît comment situation pays a et ça veut dire malgré toute diligence secteur femmes notre fait nous planifier nous faire élection nouveaux représentants mais je journée aujourd'hui on pas prendre représentant noir. Comme nous connaissons le pays, nous avons vu aujourd'hui, c'est un pays côté qui est pouvoir, son pouvoir la famille, son pouvoir en mitaille. Peut-être que son nouveau, il n'a pas accepté, c'est parce que peut-être qu'il n'a pas proche du gouvernement, il n'a pas en mitaille. Mais nous-mêmes, nous faisons tout ça qui dépend de nous pour nous dériver, pour nous dériver comme ça, pour nous dériver et représenter. Ça veut dire que si nous n'avons pas accepté, mais c'est pas faute de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous faisons tout ça qui dépend de nous. Pour nous déjeuner comme ça, pour nous déjeuner et représenter ce qui est formidable. Merci pour la disponibilité, Madame Mergina Fleurima. Merci, un pile. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous, sous Alter Radio. Parole clé, dans respect, n'a pas dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'à fête. Frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Oui, bonsoir. Nous sommes sur Frottez l'idée. Alter Radio 106.1 FM avec diverses autres plateformes internet. C'est le moment pour nous garder dans quelles conditions en temps pour aller dans jour ça. Avec collaboratrice non Marie-Fara Fortuné. Merci Ronald pour jeudi hein, qui j'en sa à pied n'a senti yon ti chaleur pendant journée ak na aswe kap diminuer pendant nuit là. Température maximum là c'est entre 30 à 34 degrés Celsius, température minimum entre 20 à 24 degrés Celsius.
gen possibilité tout pour gen l'appli à quelques coups de tonnerre sous grand danse sid sides accent nan après-midi ak nan aswe. Kèk kote nan mod lan ki gen anpil ayisyen, Republik Dominikèn, temperatiw lan varye ant 23 a 28 degrè Celsius, Miami, temperatiw lan ant 26 a 28 degrè Celsius, Boston, ant 19 a 25 degrè Celsius, New York, ant 21 a 24 degrè Celsius, Canada, Montréal, ant 19 a 24 degrè Celsius, Toronto, ant 18 a 21 degrè Celsius, Brasilia, ant 18 a 23 degrè Celsius, Santiago, Chili, ant 13 a 21 degrè Celsius, et puis Argentine, Buenos Aires, ant 23 a 25 degrè Celsius. Merci en pile, Marie-Farah Fortuné. Ou même kap mache nan la ri, kap travesse la ri. Alter Radio mande yon ti attention a message sa. Le wap mache nan la ri, pou protéger la vie ou, fòk ou toujou kapab gen kontak zi ak chofè machine yo. Le wap mache sou bot ou trois kote ou ka wè machine kap vinan fas wwa, ou kapab wè intention chofè yo. Le ou bay machine yo do, ou vin pèdi communication ak chofè yo, epi ou tout pèdi kontrol la ri ya. Le ou bay machine yo do, n'importe qui jè sou fè sou bò gòsh ap empyete sou chi men machine yo epi sa kapab la koz gwo aksidan osnò ke machine frape yo epi ou perdi la vi yo. Le ap mache nan la ri, fòk ou toujou genyon jè sou chofè machine yo paske komunikasyon avèk yo se sekirite yo nan la ri ya. Veye ou tou epi le ou chofè ba ou pase, pa ezite, travesse rapide. Le ou preske fin pase devan machine nan, fayon ti ralenti, an van kontinye travese pou wè si pa genyon lot machine ou sinon moto kap monte e ki pa deside rete pou bo pase. Evite travese la ri an ang, travese l tout dwat. Sa pral permèt ke ou pedi mwens tan an mitan la ri ya. Toujou sonje pou genyon je sou chofè yo. Deje kontre kapab komunike. Komunikasyon se sekirite yo. Alter Radio ap remersi yo pou atensyon e deske ou toujou rete fidèl. Comportement après un tremblement de terre. S'il te prend en dankay, sorti coûte à fin souke. Avant ça, coupe courant, gaz ak glo. Coûte radio pour qu'on ki konsi ki bay. Pa bloquer système téléphone yo nan fè appel pa si pa la. Voyez SMS pito. Kite route yo libre pour faciliter opération secou yo. C'était un message ANMH ak AMI en collaboration ak ingénieur géologue Claude Trepti. Tremblement de terre. Pas une fatalité, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil. Autant des accidents qui arrivent sur route noire, c'est pas des monde qui pas mourir non, moi j'ai t'en partager sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou comme si c'est vrai? Ah, je n'ai pas réfléchi sur ça. Ce qui est bien important pour moi, c'est que je me suis partagé avant. Pourtant, il faut réfléchir, oui. Est-ce que tu as lu les nouvelles là net? Est-ce que tu as regardé les vidéos à net? Est-ce que tu as réfléchi pour voir si les nouvelles là semblent vraies ou pas? Est-ce que les nouvelles là sont dans une source qui toujours bail bon nouvelles? Est-ce que tu prends le temps de checker l'autre source, de checker sur les médias sérieux pour voir si tu as des nouvelles à tout? Est-ce qu'on garde date nouvelle là? Mon cher, m'pa fè ça non? Lè on partage message sans pas vérifier ou k'ap fè ri. Merci qu'il est ou risque fè menti ak raïssement laïté ou k'ap fè moun mal pour grand merci. Bien vérifier si yon information c'est vérité, ak si li bien préparé, avant on partage rimè, menti ak propagande. Vérifier avant partager sur réseaux sociaux yo. C'est le voix tout le monde qui a sens responsabilité. C'était un message groupe Média Alternatif. Diffusez vos messages promotionnels, publicitaires et autres dans e-service, un service de diffusion à prix compétitif sur le site de l'agence en ligne Alter Press www.alterpress.org. Messages associatifs, messages communautaires, annonces culturelles, appels à propositions, appels à projets, appels d'offres, offres d'emploi et toute autre annonce des ONG des secteurs publics et privés sont bienvenus dans e-service sur Alter Press. Tarifs de diffusion journalier et mensuel. e-service, une initiative d'autofinancement du groupe Média Alternatif.
Groupe Média Alternatif, téléphone 2816-0101, email gm@medialternatif.org, site internet www.medialternatif.org. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée cap brassé. Soti inédit, rivé 3 heures, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio.org. Frottez l'idée. Dans le téléphone, en direct, sous WhatsApp, Facebook, et tout l'autre réseau social. Yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole ba nous. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Toujours sous antenne Alter Radio 106.1 FM alterradio.org. C'est Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est tous les jours, mais jeudi, hein, c'est une émission spéciale que nous avons fait qui a parlé de revendication femme avec programme candidat. Comment revendication femme yo ka tourné point en dans programme candidat? Qui gain pour aller dans l'élection? Bon, nous connaissons gain incertitude sur l'élection, nous par contre qui l'a fait, etc. Mais j'en ai toujours dit, c'est Ranger Cabanou avant Domi Langeo. Tout à l'heure, nous avons pour nous recevoir un autre invité, mais avant ça, en nous coûter un petit extrait tout petit dans un travail que l'autre organisation femme t'a fait dans Guesmaon, qui t'a marché chercher divers acteurs 1986, m'a dit actrice 1986, et moun qui t'a participé dans une grosse marche qui t'a faite le 3 avril 1986 pour témoigner sous gros axa qui t'a posé. Et c'est comme ça qu'on parlait avec Jessie Benoît. Jessie Benoît, c'est fondatrice d'une organisation femme qui est le Moufed et qui t'a participé dans l'action ça. Qui a un petit témoignage rapide qui en lien avec le problème que nous avons posé jeudi. Dans ce moment, ça, c'était une levée campée, qui a dit de un paquet de femmes qui dit nous-mêmes tout, c'est pour nous profiter de ça, pour nous capables de bailler le pas. Nous, c'est femmes, nous avons droit. Hein? Si droit femmes, c'est droit monde, alors moun fami yo gen droit pour revendiquer, pour dire ça. Et qui revendication nous dans ce moment, ça, nous dit. Li temps pour nous capable di mot pa nous tout nan jan pays a pralé a nous gen droit pour nous dire nous gen droit pour nous manifester non seulement n'a pral organiser nous pour nous capable chercher pour respecter nous en tant que femme respecter le fait que nous gen droit revendiquer nous gen droit participer mais nous pral créer tout des moments des espaces pour nous participer intégrer tout des espaces politiques qui pour permettre nous fait ça nous gain pour nous faire c'est pour me dire tout que dans moment ça tu gain par exemple kay femme qui t'est existé on quoi ça dans même moment on quoi madame kay femme yo évidemment yo était dans 8 mars mais yo t'a travaillé dans un secteur de femmes bien précis mais en tant que c'est pour me dire que tu gain des groupes qui t'est déjà qui t'est souterrain qui t'est a réfléchi qui t'est sensibilisé et qui t'a sensibilisé et déjà il était posé problème constitution faut que nous gagne une nouvelle constitution donc il y a une revendication que nous te gagne en plus de dire que nous là nous gagne droit femme c'est droit monde faut que respecter nous mandé pour nous participer dans affaires pays nous dans démocratie dans construction démocratie mais nous te mandé tout pour nous te jouer rôle nous pour nous participer en dans constitution et pour constitution même te reconnaître égalité entre femmes et garçons et qui était pour bail tout acquis que nous besoin et nous te prend décision c'était deuxième décision que nous te prend première décision c'est faire marche là deuxième décision c'est chita un côté pour nous te travail hein avec équipe qui travaille sous constitution pour nous te veiller et sûr et certain que au moins l'essentiel des revendications des femmes le moment ça il était passé en de constitution. Dans Frottez l'idée, nous allons recevoir un poteau mitant de Fondation CAIFAM. C'est Daniel Mangloire, sociologue et CAIFAM, organisation ça qui était commencé dans Goumen pour respect droit femmes, pour représentation femme pour femmes yo reconnaître valeur dans société a. Depuis 1986, combat ça li a fait et jodi a qui côté nous y est bienvenue Daniel Mangloire sur Alter Radio. Bonjour. Salutations pour toute équipe là.
Oui. Et pour tout le monde qui a écouté nous. Justement, bon, alors, on dit précision, bonsoir. Anita a fait quand elle 40 ans. Mm-hmm. C'est depuis 1984 que l'organisation a fondé, mais là, ça nous était sous dictature du Valier, donc travailler, c'est en bas charge. Ça a été fait, et après 7 février 1986, que nous parlons publiquement. Mm-hmm. Oui, me changer justement, nous étions dans Kwabosal, tout près de l'église catholique au Ben Saint-Joseph. Côté, nous avons reçu en pile femme. Est-ce qu'on a dit qui route nous avons fait entre 1986 pour y arriver, journée aujourd'hui, après toute revendication, nous avons porté dans la grosse manifestation à date 3 avril 1986? Oui, effectivement, dans l'époque, ça, nous avons, Benoît de Mouchet, tout rappelé, nous avons installé dans la rue des remparts, donc à côté de Machéa, beaucoup de l'église. Et justement, c'est par désir, volonté de travail avec, en particulier, mais pas seulement, de femmes dans le milieu populaire. Donc, et Machéa, c'est un espace privilégié. On est parce que nous avons perdu, parce que pendant le coup d'État militaire 1991, eh bien, à tout fait, les unis ont été boulés local Caïfan. C'est ça qui fait que nous étions obligés, les unis qui étaient zonnants, et à toute péripétie que ça potait pour diverses organisations qui étaient subies à temps. Dans le cheminement que nous faisons, causer et participation politique sont toujours présents, parce que ce soit pour référendum pour choisir la Constitution 1987, là, que ce soit élection 90, et puis jusqu'à la dernière élection, yo, nous toujours impliqués dans des processus pour favoriser la participation femme et pour assurer nous que le processus soit crédible. Et c'est ça qui fait qu'avant même que la Constitution amendée vienne adopter principe quota de genre, qui veut dire au moins pour pipiti 30% femmes dans tout espace de prise de décision et de pouvoir, yo, c'est un bagage que grâce à mobilisation féministe que nous avons déjà imposé dans la loi électorale. Yo. Et nous pas jamais lagué sous ça. Donc, cheminement, nous toujours faire pendant deux aspects, d'une part, participation politique, donc inclusion femme, dans l'espace politique, dans la décision politique, etc., mais en même temps, participation citoyenne. C'est-à-dire que pour femme capable de poser tête, pour être actrice à part entière, pour yo goumen, pour yo exiger ça. Et donc, c'est pas uniquement par rapport au fait qu'au candidat, mais qu'on s'est de rôle que nous estimons qui est important pour jouer. Par exemple, pendant des années de travail en pile sur question de la justice, ça, et notamment en préparer de jeunes pour le cas participer dans deux jurys, leur bien assise qui a fait. Même genre tout travail qui est fait. Et là, ça, c'est bien des regroupements d'organisation qui te permettent ça côté pour te former de monde pour te capable suivre le processus électoral. Et ça, c'est ben nous des résultats extrêmement intéressants. Dans l'année 87, malgré nous, écrasé l'élection ça avec un paquet de massacres, élection 90 et par la suite tout, côté ou former de jeunes, de groupes, de mesdames en particulier, nous-mêmes, nous sommes pour que vous cassiez ça, et ça, son bagage en termes d'observation, c'était extrêmement important, et il est important pour signaler que là, ça, c'est pas ton affaire, l'argent. Ça veut dire, c'est à peine de petits frais, ça veut dire pour nous manger, boire un petit de l'eau, mais c'est vraiment un engagement citoyen bénévole qui était fait dans le moment ça. Daniel Magloire, et l'autre jour, là, tout, nous gagnons un processus que nous conduit en rapport avec question élection. C'était justement la mise en place CEPA. Non, pour mise en place CEPA, suite à demande CPTA, CAIFAM s'est organisé et coordonné en processus. Pour le faire ça, il t'a fait appel, il t'a d'abord concerté avec camarades plus proches qui sont dans le mouvement féministe, hein, et nous t'a fait de manière inclusive en tenant compte de organisations qui participaient dans le processus antérieur
qui t'est avorté à cause de des hommes qui t'est gagné là-dedans et nous t'est arrivé un processus en respectant en série de règles que nous t'est diffusé que nous t'est informé CPTA clairement sur eux. Ça veut dire pour nous-mêmes ou pas qu'à organiser processus pour yo pas fait avec méthode pour yo pas impartial pour yo pas équitable et pour gain des critères très clairs parce que nous non situation jeunesse aujourd'hui dans pays là côté bon si bon radeau organisation mais en réalité l'on prend la peine de fouiller question pour établir existence réelle yo eh bien ouais que c'est des bagages opportunistes qui fait par rapport à ça toujours est-il que nous fait processus ça nous t'es ouvert nous des largement nous t'es préparé un guide de procédure pour informer tout le monde qui voulait participer organisation et candidate mais comment ça a fait et nous fait processus là j'en nous t'es prévoir qu'on le fait et nous bail résultat processus ça ça qui arrivait c'est que même CPT ça qui te mandé qu'aille femme coordonner processus là eh bien nous retourner avec organisation qui te mettait en cause pour processus antérieur yo pour dire que yo contesté donc c'est quand même assez bizarre et yo te vle yo même rentrer dans tractation ça veut dire pour deux trois grains moun chita ensemble pour entre eux yo discuter oui si moun y a produit évidemment Kaifam ni même te dit non ni même ni pas dans activité tractation son processus qui te gain pour faire qui fait comme la règle doit être nous même nous pas de candidat nous pas de voter candidat nous pas soutenir candidat nous pas voter pour aucun candidat résultat qui baï non c'est nous pas gain pour nous pas remet ni pas remet bon résultat mais qui honnête c'est lui qui authentique qui sortit donc nous transmettre donc nous même nous t'ai refusé à aucune tractation avec CPT ni avec l'autre groupe pour que c'est entre nous mêmes nous désigner en nous. Est-ce que ça t'a voulu dire c'est PAL pas garanti libre participation politique mesdames yo dans processus électoral là bon quand nous disons bah ça n'a pas jamais garanti ni kounye là ni c'est toujours de gourmet que nous toujours après j'aime te dire tout à l'heure c'est par rapport depuis une loi électorale sortie nous toujours penchés sur lui faire des propositions faire des commentaires faire des critiques par rapport à ça pour plus intégration femme mais au-delà de la électorale il y a des partis politiques aussi partis politiques même si il y a deux trois graines qui ont un discours mais en réalité ça a une présence significative femme yo en dans parti yo l'aime du présence significative ni en termes de quantité ni en termes de poste à occuper et ni en termes de poser terme problématique participation femme yo dans espace politique et là nous garder dans pratique parti politique yo eh bien par exemple par rapport à violence qui fait sous femme dans contexte électoral en pile farouche qui fait sous mesdames qui candidatio agression cette là de Cassidy eh bien pas gagné en quelle démarche de parti pour mettre au là dans ça donc son bataille parce que nous mêmes gens bon quantité groupe qui pas existé vraiment que c'est de manière opportuniste fonctionnel ou après et yo paraît mais c'est pas de monde qui inscrit dans travail continue et ben c'est même genre pour parti politique autour nous bon là qui est parti politique mais bon le nous résultat nous est vraiment capacité de mobilisation combien acquéreurs gagnent c'est de base qui parfaitement questionnable mais ça qui est important par rapport à l'échange en fait là, c'est que le parti politique n'est pas en mesure de montrer qui ça a gagné pour toute forme, à part des déclarations. Et profiter de signaler à cet égard, bon étude que sociologue a été au bon, qui fait tout ça, côté, il montrait bien qu'il n'y a rien de parti politique par rapport à la forme. Il n'y a pas même qu'à prendre, il n'y a pas qu'à bon membership. Yo pas ka dou combien femmes qui gagnent ni nan qui poste.
Je dis et question violence là dans milieu électoral là nous connaît les causer on fait participation de électeurs donc mesdames yo pas facile cap à participer et qui revendication et Daniel Magloire et je dis bon par rapport à causer élection nous-mêmes parmi nous de la société a même gens tout l'autre monde donc toute la société a subi par rapport à violence gang armée criminelle yo eh bien nous directement concernés d'autant plus que dans mode violence que gang yo pratique yo particulièrement ciblé femmes yo avec viol collectif donc cause sécurité a c'est un premier problème qui est extrêmement important qui pour poser et qui pour régler parce que si pas de sécurité et comment pour monde faire capable aller et voter mais en même temps tout bon problème de mettre l'ordre dans des zones ça veut dire qui disposition qu'a prend pour que conseil électoral collège membre vraiment c'est de monde qui a comporté correctement pour yo faire travail que yo là pour yo faire sans parti pris. Deuxième bagaille tout, c'est que comment machine électorale a organisé de telle sorte à favoriser la participation en tenant compte de contraintes qui gagnent dans le contexte sociopolitique que nous vivons journée à journée. Et bien sûr, il y a une question loi électorale. Là. Et question ça, il est posé avec d'autant plus d'acuité que nous connaissons dans ce qui prévoit la transition de changement constitutionnel. Donc, il est important pour statuer sous élection à organiser sous la bannière qui constitution. Et dans la constitution, ça, qui ça, qui prévoit par rapport à FAMIO. Et en ce sens-là, il est important pour que loi sous parti politique que nous ouvrons. M'a rappelé que sous gouvernement PHTK et M. Mantelia, il a changé loi sous participation politique là, qui fait que, eh bien, bon, et là, ça a tourné, on jouait, j'en le présentais. Hein. Mais il faut que moi, pour m'a profiter, dit que le problème, ce n'est pas tant quantité de monde qui t'a fondé en parti politique. Problème en plus, là, qui critère qui établit pour que un groupe capable de participer dans l'élection et joindre à qui financer l'État. Là, on a regardé l'appuyer un parti politique qui existait, mais c'est pas qu'on ça a fait, ou pas une personne pour y avoir un rapport, parce que une fois qu'on finit dans le ministère de la Justice, il n'y a pas rien pour le ministère de la Justice. En réalité, l'institution qui gère le parti politique, en particulier le parti qui passe à l'élection, c'est le ministère de l'Intérieur. Cependant, la Constitution 87, là, par rapport à tout traumatisme qui vive sous la dictature du Valier, avec un ministère de l'Intérieur qui était là, comme si vous y rapportez, soit c'est fait sous le ministère de la Justice, mais sans balle de mandat très clair sur comment pour lui-même gérer. Donc, en fait, inscription dans le ministère de la Justice, là, sont formalités, sont taxes opérées, mais sans pas gagner aucun suivi, pas gagner aucune enquête pour établir l'existence réelle de parti. Donc, question de qui s'accompagne politique, qui loi cap général, sont questions qui sont extrêmement déterminantes par rapport à ça. Et surtout, ce loi sur parti politique, là, doit tenir compte de quotas qui prévoit quota constitutionnel qui concerne la participation femme et de loi qui existait dans le pays et de politique publique qui existait dans le pays concernant par exemple question violence aux femmes à question égalité femme à garçon. Maintenant, Daniel Magloire, là, on pose les bases fondamentales qui vient pour faire, soit au niveau constitution, au niveau loi électorale, loi sur les partis politiques. Candidat eux-mêmes, je dis, si jamais nous pral rentrer dans un processus électoral, une campagne qui pral faite, etc., comment ou revendication femme yo capable paraître l'un débat pral faite là, l'un programme candidat eux. Bon,
Bon, premier bagage, pour que certaines questions, en particulier les questions qui concernent les femmes, nous paraissent dans des programmes, encore faut-il que parties concernées, c'est des parties qui ont même considéré que c'est un bagage qui est essentiel. Et jusqu'à présent, par exemple, rien que démontré que c'est le cas. Donc, pour attendre un groupe politique pour tes revendications, pour groupe ça, eh bien, ou même, ou adhérer à lui-même, ou bien lui-même, lui ramasser causement. Donc, et ça, pas rien qui s'est fait pour ça. Par contre, dans la bataille, c'est de forcer, justement, les familles à exprimer, les familles à interpeller les gens qui candidat sous question fondamentale, ça, pour faire porter que eux-mêmes, ils sont obligés de tenir compte de ça dans le programme. Mais nous connaissons qu'en général, malheureusement, en Haïti, les élections ne sont pas tellement présentées des programmes. Vous comprenez, ou bien des bagailles qui sont assez claires et pas vraiment débat sur ça. Je me rappelle que bon expérience qui était faite avec des organisations féministes sous coordination InfoFemmes, que nous avons fait une série d'entrevues avec des dirigeants de partis politiques qui étaient candidats. Et quelle que soit la question qui était posée sous dossier féminin, eh bien, ils n'ont pas au courant. Y compris, par exemple, nous poser question droit à l'avortement, ou ils ont qu'à dépénaliser, eh bien, ils n'ont pas même connaître que son bagage tout pénalisé. Même gens, ils n'ont pas même connaître, par exemple, que viol pas considéré comme un crime sous monde. Mmh. Ou bien que causer paternité responsable. Mmh. Donc, bon, ça veut dire bon, ignorance de questions femmes. Et ignorance, ça, c'est pas par hasard, c'est il traduit manque d'intérêt et à la limite mépris qui gagne pour population féminine qui simplement capable ouais on va instrumentaliser pour faire et chef mouvement ou autre pour leur élection, mais à part ça pas gagner. Bien. Cela dit, mesdames ont toujours manifesté désir de participer dans la question politique et nous ouais on a regardé inscription en tant que candidate. Ils ont fait surtout au niveau des collectivités et c'est dans le niveau ça que nous voyons que nous avons plus présents femmes. Bien. Daniel Magloire, aspect ça me dirait, mais que nous développions un peu plus et même ouais. Est-ce que par une nécessité, un plaidoyer qui fait sous ça pour que justement, et besoin fait mieux, demande fait mieux, tourner des points de programme carrément. N'a pas un petit pause et puis nous t'arrêtons rejoindre nous après pour développer aspect ça. C'est Frottez l'idée sous Alter Radio. Frottez l'idée! Frottez l'idée! Frottez l'idée! Non, faut-il l'idée? Stop! Information. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Justement, c'est Frottez l'idée 106.1 FM ak sou diverses autres plateformes internet qui s'en a besoin journée jodi an sou Alter Press. C'est Emmanuel Marino Bruno kap di nou plus. Bonsoir Ronald, bonsoir Charilien, Mackenzie. Ronald, bienvenue dans Frottez l'idée. Merci Mano. Donc qui ça nous gagne kap totot là dans travail préparation Alter Press ak Alter Radio. Kite m salye tout audite akote tri Alter Radio yo, men kek sije Alter Press ap trete jodi 31 oktob 2024 la. Alter Press ap pale sou yon desisyon kongre nan Salvador pran pou l'autorize
pour voyer en Haïti plusieurs soldats dans cadre mission multinationale pour appuyer sécurité en Haïti. Sous cette là n'a pas position mouvement patriotique populaire de s'aligner MOPOD sur situation sécurité et politique là. MOPOD mandé autorité yo prendre disposition pour mettre bon gens sécurité dans pays là, sécurité qui capable durer longtemps. Bon côté PAL, Bureau coordination affaires humanitaires Nations Unies dans le pays d'Haïti, mandé l'État haïtien pour yo bay priorité à action qui permettre la paix et la stabilité tourner dans le pays. Ap gen yon texte sous site là, sous yon analyse Bureau affaires sous crise, toute qualité qui a brassé Bill Haïti. Parmi texte qui sous site là, nous avons un titre sa yo. Haïti la terre, gang exam vivre ensemble, yo kidnappé 5 moun nan quartier Solino. Criminalité, plus de 1220 assassinats de juillet à septembre 2024 en Haïti. Le BINU demande un déploiement complet de la MMAS. C'est que titre nan joine sous site alterpres.org jodi a. Merci en pile Emmanuel Marino Bruno. Haïti dans les médias. Donc, on va recevoir l'autre fois encore Marie Farah Fortuné qui va dire nous qui j'ai actualité Haïti aïe dans l'autre média. Merci Charlien. Parmi différents titres qui paraissent sous médias en ligne, jeudi, il y a haitiinfopro.com qui fait connaître Gary Koné réclamé un report invitation conseil présidentiel là pour David Baye explication sur probable présence mercenaire pays d'Haïti. Selon HPNinfo.com, Siate Ako Montana réclamé démission Gary Koné mais tout mis à l'écart conseiller qui épinglé. Nous lis sur HaitiLibre.com, pays Salvador approuvé venir un contingent militaire pays d'Haïti. RHINews.com fait connaître Renan Edouville voyait jeter demande qui fait pour remplacer le dans OPCA. Et puis pour finir, la presse.ca rapporté plusieurs agences alimentaires l'ONU mettent en garde contre une aggravation niveau grand gouan dans 7 prochains mois qui cap venir là en pile côté dans mode là parmi yo Haïti. Alors justement Farah, comment on monde ka faire dit comme ça, di voyer jeter demande pour remplacer là lorsque mandat fini dans tête office protection citoyen, personne monde pas ka comprendre question ça. C'est un bagage terrible. Mandat fini après 7 ans. Merci en pile Farah. D'accord. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessée ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan tan calme ou soit nan tan violence. Amwe, gen moun ki pran balle la oui, y a ben pis sa. Y a mouri oui, si OK, moun pa pote au secours. Ou te bloqué. Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. An nou respecter blessé yo. Quittez au passé avec tout personnel santé yo. On nous aide yo et puis respecter yo. Mais ambiance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo à dignité yo. Si on devoir pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital sans santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon yo pap ka aide si la ou ki plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo la pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pa ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Pour demain, ka belle. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, ka belle. C'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant coup environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi ah oui pour nous travailler pour nous. Émission pour demain Kabel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Koute Tichèze Ba sou Alter Radio. Tichèze Ba, c'est un magazine analyse actualité. Li soti samedi à 7h matin, li repasse samedi à 3h après-midi. Tichèze Ba sou Alter Radio. Capte nou sou TuneIn, AudioNow, à l'autre plateforme et puis directement sur site nous alterradio.org.
compagnie nous en relé Pinson SA. Et il pas gain aucun autre nom. Pas prendre formamite, pas prendre imitateur. Directeur compagnie c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Tipinson Tetnob certifié comme spécialiste dans le combat de diffé. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vouloir monsieur proche de la caille. Parce que si Tipinson éteint l'enfer, l'ici fait pédit job. Bay diffé en bois long kembe, relé Tipinson Tetnob. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui, c'était pas mon anniversaire. Hier, dans la nuit, c'était notre première dispute et il m'a dit beaucoup de choses cruelles. Je sais qu'il est désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Une autre fois, il a tenté de m'étrangler. Et hier soir, il m'a battu avec beaucoup plus de violence. Puis, il m'a violé. Je sais qu'il est désolé, car il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. C'était un jour très spécial, le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tué. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour combattre la violence, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Si vous êtes victime de violences conjugales, ne gardez pas le silence. C'était un message de solidarité femme haïtienne, SOFA. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sur Alter Radio. Parole clé, dans respect, n'a pas dénoncé, critiqué. Proposer et puis reconnaître, j'ai fort qu'à faire. Eh bien, dans l'émission Frottez l'idée ça, qui est spéciale, côté n'a parlé sous cause et femme avec élection, mais pas dans le vague, j'en me dis là, on a parlé de revendication femme qui place dans le débat électoral là, qui place que vous avez dans le programme candidat. Mais en même temps, l'interview qui fait yo, nous bien ouais que ce soit madame Fleurima ou bien madame Magloire, tous les deux abdou que femme nan li appartenu à une société. Ça veut dire que problème qu'a posé pour femme yo, li c'est problème tout société a en général, même si il y a des aspects spécifiques que nous pral ouais tout à l'heure avec madame Magloire qui déjà souligné avec nous, mais juste avant puisque il y a des voix qui emblématiques leur parler de questions femmes en Haïti. Nous avons des Jessie Benoît qui était témoin de 3 avril 1986. Il y a l'autre encore dans un travail que l'organisation Femmes Negesma ont fait qui était parlé. C'est Madame Marie-Laurence Jocelyn Lassègue qui lui-même était joué des rôles tout, il était ministre à la condition féminine et ses fondatrices. Organisation qui est les FOMIO là, qui voulait dire for FOMIO, jeune place yo, Marie-Laurence Lassègue. Jusqu'à très tard, moi fondé collectif féminin pour participation politique femme. Parce que même ça qui est important pour moi, c'est Corée, organisation souterraine déjà. Et c'est pour ça que dès qu'on a travaillé avec des structures un petit peu partout, à travers pays 1, même tu es très intéressé évidemment par CAIFOM. Qui le sait à travail en pile, notamment avec ma chanio. Donc, et pendant très tard, hein, moi fondé Femme là en 98, c'est ça. Non, parce que dès qu'on a le CAIFOM chaque jour, mal CAIFOM, mal SOFA, mais base, moi, c'était vraiment CAIFOM. Côté, bon, il fallait appuyer. Les structures qui existaient déjà. Donc, on pral fonder Femmiola après, parce que on pral ouais que gon manque de pas de sensibilisation et puis pas gon espace non plus par rapport à mesdames qui l'en politique. Même si, faut ne pas oublier, t'es une ligue pouvoir femme qui était créée avant, mais qui à un moment donné
à ta travail. Son bagage qui vient jamais naturellement dans le cadre de toute réunion qui t'a fait le ça, la locale scoutio, c'est que faut mettre tête nous ensemble. Faut mettre tête nous ensemble pour nous dire nous voulons la santé, nous voulons l'éducation, nous voulons là, nous pas voulons que coulien, que pagain dictature encore pour que. Nous avons un parlement qui n'a pas gagné femme là-dedans, nous avons exécutif, nous avons judiciaire. Donc, c'était ça. Fauter l'idée après pousser sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org. Nous avons avec nous Daniel Mangloire, sociologue et cofondatrice CAIFAM. Nous sommes en train de démarrer, c'est Justin Larseg de Famiola. Qui dans message de sensibilisation qui tape et rappelé importance que mesdames yo gagnent pour et dans société a et nécessité pour yo représenter dans toute sphère yo surtout dans processus politique là et donc madame Danielle Mangloire sous ça qui gagne à promotion et puis amélioration participation politique femme yo dans et élection comment ça ka fait et n'a poursuivre avant. Et juste avant, tu as parlé de plaidoyer. Oui, non, plaidoyer. Oui, oui. Oui, eh bien, plaidoyer, c'est continuer à expliquer parce que malheureusement, nous avons une société côté ça n'est pas encore clair pour tout le monde et en particulier pour les dirigeants et pour les gens qui aspirent à diriger le pays, ça n'est pas encore jamais clair que les femmes, c'est des citoyennes à part entière. Donc, démarche de plaidoyer, c'est d'une part assurer que a bien des mesures qui favorisent la participation politique femme. Et dans le milieu, il y a plusieurs travaux qui sont déjà, dont une qui mérite de citer, c'est le travail des femmes militantes féministes Myriam Merlet, qui s'est fait quand elle fait une étude sur obstacle à la participation politique des femmes. Donc, et après ça, l'autre réflexion, vient continuer, vient enrichir le travail, ça. Donc, ça veut dire, nous connaissons qui obstacle ça. Donc, un jeu, c'est de faire monde qui prend les élections, comprendre l'obstacle ça, et faire prendre des engagements pour être capable de lever l'obstacle. Ensuite de ça, dans le niveau pas militant, nous-mêmes, nous venons pour un travail de veille pour nous faire, pour nous qui ça capable appliquer et pour nous les Charles Marie les ça mérite fait mais parce que nous connaît prend engagement pendant l'élection c'est un bagage mais qu'on y a fait l'appliquer c'est on l'autre question et puis plaidoyer autour son façon tout pour faire gagner plus information et sensibilisation du côté de femmes yo même pour yo bien ouais en jeu pour yo même encourager à poser problème que y a confronté parce que yo c'est femme dans société a et à sens que yo gagne vis-à-vis de monde qui prétendent des dirigeants politiques et une grosse bataille qui a gagné pour cette là c'est par rapport à loi électorale là pour entre autres assurer par rapport à obstacle que nous identifier qui gagne à participation femme est-ce que loi électorale a tient compte de ça et spécialement est-ce que la prévoit de sanctions pour candidats pour ou bien monde qui n'a appareil politique est-ce que si on fait les offenses violence sur femme qui sanctions qu'a gagné par rapport à ça et ça c'est des questions extrêmement importantes. Et puis, bien sûr, c'est mobilisation, mesdames, yo même, travail pour préparer de mesdames pour yo capable, si yo vle candidat, pour yo capable aller, préparer yo pour yo cap, parce que jouer au rôle en tant qu'électrice, préparer yo pour yo cap, active dans le processus d'observation électorale. Et à ce propos, tout, c'est important de signaler nécessité pour la sensibilisation, la campagne qu'a fait pour nous combattre vieux stéréotypes, vieilles idées qui viennent sous forme. Par exemple, pour toujours ça des mouniers abdou, oui, soi-disant, c'est parce qu'on a fait de compétences. Alors que ces questions, ça va jamais poser pour
monsieur. D'ailleurs, si vous êtes si compétent comme ça, pays a pas tant qu'à tout boumbé que lié à là. Donc, bien sûr que la compétence nécessaire, mais pour compétence dans tout, il faut qu'il exerce, il faut qu'il développe des pratiques dans l'espace politique. Or, là, on a regardé de 1950, côté femmes, j'ai gagné, son conquête, droit politique, rivé, journée, jeudi, c'est bien, ouais, vraiment présence extrêmement minime dans l'espace pouvoir à décision. Or, donc, ça veut dire, femmes haïtiennes n'ont pas bien autant de pratiques d'exercice du pouvoir que homologues masculins. Et Daniel Mangloire, où est l'espace électoral, débat électoral, non pays tant qu'aux États-Unis, question avortement, lycée, question gros enjeu. On connaît bien que c'est un enjeu dans la société haïtienne. Non, pourtant, il n'est pas jamais reflété, par exemple, un débat qui a fait sous élection. Bon, là, ils font paraître très timidement dans la dernière élection de 2016, mais dans l'hypocrisie et dans l'attitude opportuniste à chercher, par rapport à des groupes religieux qui eux-mêmes toujours opposés, même quand ils étaient opposés, soit avec les petits mondes. C'est tout le monde, tout le monde, même droit, quelle que soit condition de naissance, même gentil, il est opposé à ça. Nous-mêmes, l'idée que nous toujours à défendre, c'est qu'un État haïtien laïque qui n'a pas gagné pour l'aligner sous position en religion. Mais là, ouais, un pile politicien, comment il y a embarqué dans deux bagailles comme ça. Et oui, droit à l'avortement, on doit nous revendiquer. Pour que femme ait droit décider sur ça qui a passé dans le corps. Et nous toujours faire remarquer, pour qui sa société a, ouais, que femme lui-même, il y a de législation qui permet de contrôler les corps femmes, mais pas dans quelle législation qui permet de contrôler les corps garçons. Pas dans rien de ce genre. Donc, avortement, bon, pile hypocrisie sociale, parce que monde qui est plus affecté là-dedans, c'est monde qui a moins de mesdames, qui a moins de moyens. Non, mais yo, que ce soit moyen éducationnel ou financier, et qui a pratiqué des avortements non sécuritaires. Alors que, aux femmes qui ont possibilité, qui ont accès à des structures sanitaires correctes, eh bien, ni vu ni connu, ni avorté dans bonnes conditions, et puis, ni continuer chemin à vivre. Alors que l'autre, qui en situation de vulnérabilité, mais c'est là-dedans que nous joignons le plus grand taux de mortalité. Bon époque, les MNCP tabac, ministère de Santé publique tabac et chiffré, il était considéré, il était classé avortement comme troisième cause de mortalité maternelle. Donc, pour dire, j'en suis en question qui grave et que nous-mêmes, féministes, nous abordons en tant que problème de santé publique. Et en faisant bien la distinction par rapport à mon KPC discrédité combat ça, avortement, nous pas considéré, c'est pas une méthode contraceptive. Son dernier recours, l'enfant embarrassé, que l'IPAVE les Québécois, pour quelle que soit raison, hein, donc, que il y a possibilité d'avorter dans un bagage encadré de telle sorte à ce qu'il pas continué la ville, j'en souhaite ça. Daniel Langlois, est-ce que ou ka ba nou exemple une question que par exemple un candidat magistrat t'a poté et qui t'a fait cause femme n'a fait progrès ou bien une autre question que un député t'a poté qui t'a fait cause femme n'a fait progrès ou bien au plus haut niveau un président de la République un monde qui veut président qui ça t'a fait pour faire que question ça avancer dans la société. Bon, premier bagage que quel que soit niveau poste occupé à que vous êtes capable de faire, c'est respecter l'engagement officiel que l'État haïtien prend par rapport à la question de la femme, qui c'est dans la Constitution, qui c'est par rapport à la Convention internationale Haïti ratifiée, qui c'est par rapport à la politique publique qui existe, qui c'est par rapport à la loi qui existe.
même si yo insuffisant jusqu'à présent, mais yo existé et mise en application pas faite bon politique d'égalité entre femmes et garçons. Vous comprenez qui par jambes rivées mettre en œuvre comme ça doit, même j'en ai une politique publique contre violence sous femme qui pas appliquée, et spécialement que parlementaires n'ont pas jambes, malgré qu'ils fait rencontre, ils ont tout signé il y a quelques années de ça que vous pouvez voter en loi 4 de violence sous femme, ça pas jambes fait. Donc d'abord par rapport à l'obligation qui nous vraiment prétendre que nous sommes état de droit, ça veut dire l'état a obligation de respecter l'engagement qu'il prend. Et l'engagement ça y est, il y a tout défilé de déclaration universelle droit monde. Donc, le candidat qui a choisi tel aspect que vous capotez, nous-mêmes, nous s'est présenté ensemble panorama situation et garder tout par rapport à ce niveau de pouvoir que lié pour qui ça qui capable faire. Et sans opportunité pour moi dire que il y a des lois nationales que le Parlement a voté, mais au niveau des collectivités, tout bon série de mesures, d'arrêter, etc., il y a des lois communales qui s'apprend pour aider que comme ça capable d'avancer. Mais encore faut-il que le monde qui a occupé pour ça les sensibles à question, hein? Encore faut-il que mesdames qui sont dans le parti politique, yo même tout reprennent responsabilité, yo jouent au rôle, yo. Nous garder, là, nous garder des pas grand-pile, c'est gagnant, donc, pour ne pas la citer. Madame Bozil, qui était chef de parti, eh bien, c'est pas un parti, malgré tout, c'est pas parce que mon ensemble, s'il n'a pas une conscience politique de ça, de conditions femmes dans la société, hein, mais c'est pas de bagages, de problèmes qu'il y a posé. Donc, oui, c'est pour nous continuer à interpeller les gens qui dirigeant, les gens qui ont prétention pour aller diriger, sur toutes questions qui concernent la vie femme et la vie population d'une manière générale, pour que les gens ouvrent les oreilles pour vraiment faire. C'est pas nous-mêmes pour pouvoir. C'est pas faire l'argent, mais c'est à l'écoute de demande population. Yo. Et puis, il y a le courage et il y a des démarches pédagogiques qui sont nécessaires pour expliquer qui chemin qui s'apprend pour arriver satisfait à l'aspiration. Merci en pile, Madame Magloire. Nous comprenons les batailles pour respect droits femmes. Bon, droits monde en général sont batailles de tous les jours. Absolument, et sont batailles et de longue haleine. Nous t'es content de parler avec vous. Moi-même tout. Merci beaucoup. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sous Alter Radio. Parole clé, dans respect, n'a pas dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'à fait. Frottez l'idée. Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée, c'est parole panon. Jodi a c'est émission spéciale sous élection. Information frottez l'idée pour bon gens élection en Haïti. Pas vrai, Godson? Exactement. Et c'est une série que nous commençons jodi a l'encadre frottez l'idée. Jean-Dilly, frottez l'idée, c'est une émission qui fait tous les jours. Mais dans la semaine, nous prenons une ou deux jours pour nous faire des émissions spéciales qui ont un rapport avec l'élection. Et là, nous commençons avec une, c'est sous question revendication femmes et élection. Pour avoir quatre autres consa encore, revendication sociale jeune avec élection, revendication sociale paysan avec élection, revendication sociale ouvrier, travailleur, secteur informel avec élection. Et puis, après, nous avons gagné trois autres émissions qui sont des émissions spéciales qui traitent des thèmes plus larges, mais toujours en rapport avec l'élection. Ou gagné revendication monde qui vivent
avec handicap yo, avec élection, participation électorale et légitimité des élus. Toujours un problème qu'on s'est posé, niveau de participation, est-ce que moun ki soti nan élection légitime ou pas, c'est des questions pour nous discuter sur yo. Responsabilité l'État, responsabilité conseil électoral, la parti politique yo, société civile là, une façon pour nous garantir que candidat qui gagne yo, c'est de candidat qui solide, qui gagne valeur, qui qualifié pour yo aller côté yo dit yo besoin al servir pays. Et toujours un problème comme ça, hein, pas vrai, candidat incompétent ou moun nan gen un passé, écoutez, il gen des problèmes moraux, passé douteux, etc. Et puis dernier émission, hein, c'est émission sous rôle ak responsabilité acteurs principaux yo, tant que conseil électoral, parti politique, candidat, gouvernement, la police, société civile et les médias nous-mêmes, pour nous ta prévenu violence électorale. Haïti son pays qui gagne une histoire de violence électorale chronique et comment donc nous capables pacifier espace électoral là? C'est des questions que nous avons discuté de eux. Autant dire que série ça, son série extrêmement important. Cap continuer. Cap continuer la semaine prochaine. Et je vous dis, hein, c'était donc question Famio. Prochainement, c'est question Genio. Faut la avec nous, voilà. Oui, on avait essayé là quand même. C'est, après ça, c'est question paysan. Yo. Oui. Et puis donc, tout l'autre thème que Nabdio. Ceci pour nous porter contribution par nous, l'en aider pour pays ça fait progrès dans affaires politiques. Voilà, c'est pour ça que n'a fait certainement élection bon, il y a une certaine pour même connaître, il y a une date, il prévoit pour fait, mais que vous faites dans date ça, que vous faites après un jour bien ou l'autre après élection en Haïti. Donc cela veut dire que son sujet de débat et son sujet de débat de tous les instants. Nous comptons capable de développer série ça avec appui une organisation qui spécialisée dans soutenir médias, c'est Internews qui bah, nous soutient pour nous capable avancer dans travail ça et Nabdil, merci pour ça. Nabdi, merci tout à intervenant nous yo et Mergina Fleurima, coordinatrice générale Solidarité Femme Haïtienne SOFA et madame Danielle Manglore de CAIFAM qui t'a porté revendication mesdames yo dans moment élection. Ronald Fondi, auditrice avec auditeur, merci en pile d'est-ce que vous t'ai suivi Frotté l'idée et spécial journée jeudi an. Ap gen l'autre Frotté l'idée et spécial qui passe chaque jour sur Alter Radio 106.1 FM avec diverses autres plateformes internet. Merci en pile et puis à la prochaine. Frotté l'idée. Frotté l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit, rivé 3 heures, lundi al pou vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frotté l'idée. Sal pays, on sal drapeau. Kikita. Papa nous. Remix style. Hey, moi. Oh, Haïti, c'est la caille, pas rentrer dans le pays moi. Songez famille, songez amis qui te d'ailleurs. M'a joué musique, représenter toute yon patrie. Sans pas oublier que Haïti, c'est l'âme sortie, moi dit. Faut pas perdre que où c'est. Haïtien, oh, oh, oh.
Bakay nou bel se vre Fon pa on di ke pousse Ay la ka nou bel li bel Li bel Que musicien bandit, qui fait sa vie pour politique. Mais nous pas qu'un temps pour nous occuper, médiocrité. Nous c'est la jeunesse, que tu payes, c'est nous qu'un bel loin dire. Faut pas dire que vous c'est. Aïe, la gamme est belle, c'est vrai. Faut pas on dit que vous c'est Tout ça quoi nan nou yo, ça c'est pour yo We'll be right back.
derrière pour nous, non. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour nal pi loin. 24h. Journal Alter Radio. 24h. Information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous cap côté Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous et attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations, nous avons pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. À partir dimanche 3 novembre 2024, là, Léa nan pays d'Haïti a fait bac une heure de temps. C'est ça, conseil président pour transition. Fait qu'on est en note qui peut date 28 octobre 2024. Là. Mercredi 30 octobre 2024, la gang exam vivant ensemble, yo kidnappé 5 moun nan yon lot attaque, yo fait encore sous quartier Solino, Port-au-Prince. Jeudi matin 31 octobre 2024, la yon bon parti sous route Nazon a été bloqué avec barricade. Machine transport public tap cherché passé l'autre côté nan évité route Nazon. 40 organisations nan pays d'Haïti ak nan diaspora organisé yon journée day national jeudi 31 octobre 2024 la pour songer victime tout massacre gang exam yo fait sous territoire national. La tankou massacre jeudi 3 octobre 2024 la nan Ponsonde, département la Tibonite. Nan Ponsonde, gang exam gang rif sa vient yo te assassiné plus passé 115 timoun femme ak garçon. Mercredi 30 octobre 2024 la gang exam gang rif sa vient yo kidnappé plus passé 10 moun et puis volot encore plusieurs dizaines cabrit cochon ak bœuf nan marchand de saline ak nan ti rivière la Tibonite d'après information qui vient journal Alter Press ak Alter Radio. Nan séance mercredi 30 octobre 2024 la parlementaire pays Salvador yo voté en faveur yon disposition